là, tu trouves pas que c'est compliqué de décrire quelqu'un ? Si, hyper compliqué même. Une personne, c'est plein de choses à la fois. Des défauts, des qualités, des caractéristiques. Mais en même temps, c'est ce qui nous rend unique. Et ça permet aussi de jouer. Ah mais oui ! D'ailleurs, c'est l'heure d'un Si j'étais sur Coupé Camille. T'as choisi ton perso Disney Channel ? Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je fais partie d'une famille de 5 personnes ? On n'aura aucune conversation ? Ouais, tout à fait. Est-ce que je suis la maman qui danse bizarrement ? D'accord, je vois, t'as toute une Corée en stock. Non, c'est pas elle. Alors, est-ce que je suis le copain qui rigole bizarrement ? Et toi, tu trouves ça amusant, monsieur le glousseur ? Non, madame. Non plus. Est-ce que je fais des vidéos sur Internet ? Comment ça ? Comment ça, comment ça ? Comment ça, comment ça, comment ça ? Mais si, tu sais, des vidéos en duo où les fans doivent voter pour la décision qu'ils préfèrent. Vous préférez quoi ? Être une semaine sans votre téléphone ou une semaine sans votre pantalon ? Oh mais oui, je suis Coupe, c'est ça ? Attends, quoi ? Bravo, c'est ça ! Ouais ! Ouais ! Hey, nous revoilà, nous revoilà. Tu m'as l'air sacrément de bonne humeur, hein, petite Clara ? Eh oui, c'est parce que c'est l'heure de vous présenter notre nouveau jeu à qui tu parles. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez le qui parle, mais là, on a changé un peu les règles. On va vous montrer un personnage d'une de vos séries préférées et vous allez devoir nous dire à qui il parle. Vous allez voir, c'est super sympa. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je trouve ça génial ! Je me sens libre ! Mais le skit, c'est pas ça. Ça, c'est du surplace. Il faut que t'avances. C'est ce que je fais grâce à ma grande et formidable imagination. C'est juste que je pensais qu'on ferait du skate ensemble. Toi et moi ? Oh, oh, oh. Toi et moi ? Des potes de skate ? Je voudrais bien. Mais à qui tu parles, Cyrus ? Jonah ? Buffy ? Ou Donald ? Je trouve ça génial ! Je me sens libre ! Mais le skate, c'est pas ça. Ça, c'est du surplace. Eh oui, c'était Jonah. Trop cool de vous retrouver les loulous, content de nous revoir. Aujourd'hui, on a décidé de faire plein de nouvelles choses. Alors on vous propose un dessine-moi une série avec de nouvelles règles. L'idée, c'est qu'on va plus vous faire un revue pour vous faire deviner la série, mais on va vous dessiner les objets qui vous rappellent la série. Le mieux, c'est de se lancer. Prêt, go. Des arbres. Vous trouvez, vous ? Une guitare. C'est encore plus compliqué comme ça en fait. Une boule de cristal, Raven. Je sais, c'est le signe de Kankikiwaka. Ah bah quand même, boule de cristal, non mais Hugo. J'ai trouvé presque du premier coup, hein. Et je suis sûr que chez vous aussi les loulous. Bon retour parmi nous. Les amis ? Hugo, voyons, les loulous. Mais oui, t'as raison, c'est simple pourtant. À moi, on vous propose de... avec nous. Jouer. Bravo, Clara. C'est le nouveau jeu qui s'appelle Le mot caché. On va regarder ensemble un extrait d'une série et il y aura un mot qui sera remplacé par un bip. Eh bien, à vous de trouver de quel mot il s'agit. C'est parti. Salle de cinéma. Ce n'est pas un simple... C'est surtout une entrée. À ton avis, quel est le mot caché ? Est-ce un trou, un rat ou un poney ? Alors ? Il y a un rat dans la salle de cinéma. Ce n'est pas un simple rat. C'est surtout une entrée. Bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien d'un rat.